Oh là 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 là, monsieur Thomas, monsieur, c'est formidable, vous trouvez pas? Comment? Écoutez, on retrouve dans la glace le corps intact d'un monsieur disparu depuis 65 ans. On fait fondre la glace, on s'aperçoit que le type est vivant. Mais enfin, ça vous épate pas, monsieur Thomas? Peut-on considérer dès maintenant l'hiberné comme étant hors de danger? Scientifiquement, le corps. Oh, vous savez. Bon, mais. Mais pour nous tous ici à l'hôpital. Bon. Bon, mes chers amis, revenons à ce qui nous occupe ce soir. Directeur de la Société française d'emballage depuis bientôt 25 ans, je n'ai jamais poursuivi qu'un seul but. Respecter, servir et gâter mes bons et fidèles clients. Aussi, ai-je voulu que notre usine parisienne soit enfin digne du marché européen. Il faut que la société française... Il faut que la société française d'emballage devienne demain... Devienne demain l'entreprise d'après-demain. On peut y aller.